Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pas de petit test de produit, on va parler de motivation et d'objectifs que tu as dans ta vie, dans cette année 2022. Chaque début d'année, t'as beaucoup de personnes qui prennent des résolutions, moi le premier, et peut-être toi derrière la caméra. Moi par exemple, comme résolution, j'aime bien la 4K. Le 1920x1080, c'est un petit peu passé. Pas ouf ouf la blague, je pense que j'ai déjà dû faire mieux. Bref, pas mal de personnes se fixent des objectifs, moi le premier. Et souvent, on a tendance à se démotiver hyper vite quand on a des petits coups de mou, on laisse tomber complètement le truc. Et en mars, t'as déjà la plupart des gens qui ont abandonné leurs résolutions de début d'année. Moi par exemple, j'avais 4 ou 5 résolutions en début d'année, et là maintenant, il m'en reste plus que 2 déjà. Ouais. Beaucoup de personnes abandonnent très vite et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, là, maintenant, aujourd'hui. Comme on est dans une période où beaucoup de personnes ont déjà abandonné leur résolution, et si toi-même tu as déjà enterré ta motivation et ta résolution 2022, tu vas aller chercher une pelle tout de suite, je sais, c'est un trépied, pas une pelle, mais tu vas déterrer cette motivation de suite. Nous, on veut pas des résolutions et des objectifs qui sont 6 pieds sous terre, on va les remettre au goût du jour. Ré, on va les remettre. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On va les remettre en place et assez rapidement, et je vais te donner 2-3 astuces pour pas que tu laisses tomber tes objectifs trop facilement comme ça. Ta résolution et ton objectif final, peut-être que tu en as un, peut-être que tu en as plusieurs, il faut les prendre individuellement et les diviser en sous-résolutions. Genre tu divises ton truc en objectifs différents pour réussir à arriver à ce que tu veux à la fin. Donc ces étapes que tu vas avoir constituées en divisant ton objectif final, tu vas pouvoir les noter et les rayer au fur et à mesure que tu les réussis. Moi par exemple, j'ai un objectif sportif qui est de réaliser cette figure là. Ça c'est une figure de street workout qui est assez compliquée, c'est le handstand one arm, en gros le piqué à une main. Mais ça fait plus stylé de le dire en anglais quand même. Et ça, tu n'y arrives pas en 3 secondes en claquant des doigts juste comme ça. Cet objectif là, moi par exemple, je l'ai divisé en plusieurs sous-objectifs. Mon premier sous-objectif, c'était de tenir et faire le piqué pendant plus d'une minute, et ça, je l'ai déjà validé. Ensuite, un de mes autres objectifs, c'était de pouvoir pencher mon corps autant à gauche qu'à droite, un petit peu comme je veux, en tenant toujours sur deux mains. Ma troisième étape était donc un petit peu de décoller les doigts côté droit ou côté gauche en fonction de là où tu voulais pencher. Et la quatrième étape était de décoller entièrement la main que tu n'avais plus à utiliser. Donc comme ça, tu tiens que sur une main. Donc ça, c'était mes sous-objectifs. Après, il faut que je tienne pendant plusieurs secondes dessus pour réussir à tenir entièrement pendant 10 secondes. Ça, c'est mon objectif final que j'ai pour juin. Il est assez important quand même de te mettre une date finale ou une date approximative de fin et de pour réussir ton objectif grossièrement. Parce que si tu te dis « oui, je vais le faire, je vais réussir à le faire, etc. dans X temps », tu n'y arriveras jamais. Faut vraiment que tu te mettes une date butoir, un petit peu comme un examen, que tu dois passer, tu dois réussir cet examen-là. Donc du coup, il faut que tu y arrives pour ce moment-là. Évidemment, faut que ton objectif soit cohérent et faut que ce soit un truc que tu puisses faire dans le laps de temps que tu te laisses pour pouvoir le faire. Moi, je vais pas commencer à taper des 360 en street workout alors que j'ai jamais fait de freestyle. Donc, faut bien que tu choisisses une date butoir. Moi, j'ai choisi juin pour pouvoir me la péter cet été à une main. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Une fois que tu as fait ça, tu as noté tes objectifs et tes sous-objectifs avec une date butoir. Il va falloir en parler à un maximum de monde possible. Ton objectif, il sera plus gardé en toi et ce sera plus un secret. Il faut qu'un maximum de monde le sache pour que tu t'engages grossièrement envers toutes ces personnes. Le fait de le dire à plusieurs personnes, mentalement, ça t'engage vraiment à vouloir le faire et à pouvoir le faire. C'est une étape supplémentaire pour assumer ton objectif jusqu'au bout et pour réussir à le faire. Cet engagement, il va être super utile quand tu auras des moments un petit peu faibles et que tu voudras tout laisser tomber. Faudra que tu penses que tu t'es engagé envers des personnes, que tu leur as dit que pour telle date, tu réussirais à faire ça ou que tu aurais ton objectif accompli. Donc il faut que tu arrives à le tenir jusqu'au bout, même dans les moments les plus durs. Les pertes de motivation, les moments de blues. Putain, je suis un grand-père qui parle. Les moments de blues. Bienvenue sur la chaîne d'un mec qui a 90 ans, c'est moi, Sébastien. Donc pour moi, le meilleur moyen d'en parler à plusieurs personnes, c'est d'en parler déjà dans mon entourage, à mes amis, ma famille, mais également d'en parler sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, je vais te donner quelques objectifs que j'ai prévus. Ce que tu vas pouvoir faire pour également t'engager un petit peu comme moi, je m'engage envers toi à réussir et compléter ces objectifs-là, c'est que toi aussi, tu marques dans les commentaires tes objectifs. Si tu en avais en début d'année 2022, s'ils sont encore d'actualité, et pour quand tu aimerais réussir ces objectifs-là. Comme ça te fera un petit engagement envers moi, je lirai et je répondrai à tous les commentaires. Et courant de l'année, je pourrais même te contacter pour essayer de voir si tu as réussi tes objectifs et peut-être faire une vidéo dédiée à ça. En voyant si j'ai réussi mes objectifs que je vais te donner et en voyant si tu as réussi tes objectifs que tu auras marqués dans les commentaires. Donc en tout, j'ai 5 objectifs et le but, c'est pas d'en mettre 50, parce que tu vas pas réussir à tous les réaliser. Le but, c'est d'en mettre juste assez et que tu les réalises tous. Donc sur les 5 objectifs, j'ai 2 objectifs qui sont des objectifs sportifs. L'exemple que je t'ai donné tout à l'heure sur le piqué à une main, donc le handstand one arm, c'est un objectif que j'ai commencé en janvier et que j'ai envie d'amener jusqu'au bout, et donc ça, c'est l'un de mes objectifs. Tenir pendant 10 secondes à une main en faisant le piqué. Et ça, pour le mois de juin. Mon deuxième objectif sportif, c'est de réussir également à faire la straddle planche, c'est une figure de street workout, et de la tenir également pendant 10 secondes, comme le piqué à une main. Donc ça, c'est mes deux objectifs pour le mois de juin.
Ensuite, mes prochains objectifs, c'est des objectifs qui sont des objectifs sociaux. Parce que oui, tes objectifs sont pas forcément recentrés uniquement vers toi, mais ils peuvent être sur ton entourage aussi. Depuis quelques années, je vois moins ma famille, mes amis, donc j'aimerais changer ça et les voir beaucoup plus souvent. Donc mon troisième objectif, c'est de voir mes amis au moins une fois par semaine et de tenir ça jusqu'à la fin de l'année. Et l'autre objectif social, donc le quatrième objectif, c'est de voir ma famille au minimum deux fois par semaine. Il faut pas qu'il y ait une semaine dans l'année où je les vois pas au moins deux fois. Ça te paraît peut-être tout bête et pas compliqué comme objectif, mais après, tu vois, tout dépend des personnes et de tes objectifs personnels. Et du coup, mon cinquième objectif, c'est un objectif pour YouTube. C'est de tenir au minimum le rythme de vidéos que je fais à l'heure actuelle, donc une vidéo tous les 10 jours, ce qui représente à l'année entre 36 et 37 vidéos. Ce rythme de 10 jours, si je peux, je vais essayer de le réduire, mais c'est un petit peu compliqué vu que je ne vis pas de YouTube. J'ai un travail qui est complètement aléatoire à côté, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. Si t'es intéressé pour savoir ce que c'est un intermittent du spectacle, t'as la vidéo qui s'affiche là-haut. Donc voilà mes 5 objectifs, t'en as 2 qui sont pour le mois de juin et les autres ils sont à tenir tout le long de l'année. Ah oui, petite exception près, il y a tout le monde qui part en vacances en été et pas grand monde qui regarde des vidéos sur YouTube. Donc je vais me laisser un laps de temps de 1 mois entre juillet et août pour ne pas diffuser de contenu sur cette période-là parce qu'il y a très peu de personnes qui regardent. Donc je te laisse marquer tes objectifs à toi dans les commentaires et si tu veux laisser à la fin du commentaire ton compte Instagram, comme ça quand je voudrais faire la suite de cette vidéo et voir si tu as réussi tes objectifs, je pourrais te contacter directement sur Instagram et même Twitter si tu veux. Tu me marques juste si c'est Twitter ou Instagram. Dans les objectifs que tu vas choisir, il va falloir faire super attention d'être maître de tout ce qui se passe et tous les facteurs qu'il va y avoir pour réaliser ton objectif. Si j'avais dit que pour mon objectif YouTube, c'était d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, ça aurait été un objectif complètement bidon parce que j'aurais eu beau sortir des vidéos tous les jours jusqu'à la fin de l'année, si jamais je fais de la merde et je te fais une vidéo nulle, c'est pas parce que tu fais du contenu que tu vas forcément percer et te retrouver avec 10 000 abonnés. Ça c'est un facteur X que tu contrôles pas et il faut éviter de mettre des facteurs comme ça que tu ne contrôles pas dans tes objectifs. Sinon, t'as plus de chances pour que ça ne se réalise pas. Pour l'objectif d'atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube par exemple, ça va dépendre des personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne, qui regardent la vidéo, des personnes qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnées à ma chaîne ou qui n'aiment pas le contenu, de si YouTube met en avant ta vidéo ou non et de la visibilité que ça va apporter. Bref, il y a énormément de conditions et il faut que tu sois maître de A à Z, un petit peu comme Alliance. Pas validé non plus cette petite blague. Bref, voilà, t'as dû comprendre qu'il faut être maître de ses objectifs. Après, en parlant justement de 10 000 abonnés, il y a 97% des personnes qui sont pas abonnées à ma chaîne et qui regardent mes vidéos, ce qui est totalement énorme. Ça veut dire que 3% des gens sont abonnés à ma chaîne. J'ai à l'heure actuelle à peu près 3 000 abonnés. 3%, 3 000 abonnés, ça veut dire que si toutes les personnes s'abonnaient à la chaîne, on serait à 100 000 abonnés. Donc tu vois que l'objectif des 10 000 abonnés, on peut l'atteindre si les gens s'abonnent à la chaîne. Et le 6, c'est un facteur X, donc c'est pour ça que je le mets pas dans mes objectifs. D'ailleurs, YouTube, c'est pour le plaisir, c'est pas pour arriver à un chiffre énorme d'abonnés. La liste ou le tableau que tu as fait, que je t'ai demandé de faire tout à l'heure avec les objectifs et les sous-objectifs, si tu veux, mets-le dans un endroit visible, comme ça à chaque fois que tu passeras devant, tu te diras « bon, j'en suis là, il faut que je continue ». Dans un endroit où tu passes tous les jours, par exemple un endroit tout bête, je sais que tu as pensé les toilettes, mais je vais pas dire les toilettes, dans ton armoire, tu peux mettre une feuille avec tes objectifs, quand le matin ou le soir tu prépares tes affaires, tu vas voir cette feuille-là et tu vas penser à tes objectifs, et tu vas te coucher ou alors te lever avec ces objectifs qui seront en tête. Et ça c'est méga important, soit de terminer la journée en pensant à tes objectifs, comme ça ton cerveau pendant la nuit va travailler, soit commencer la journée en pensant à tes objectifs, ce qui va encore plus te motiver. Si t'as des coups de mou, évite de regarder tes objectifs en mode « oh, il reste tout ça à faire quand même ». Il faut plutôt le voir dans l'autre sens, en mode « waouh, j'ai déjà fait tout ça, il me reste plus que ça à faire ». Il faut que tu vois ce que tu as déjà accompli et pas ce qui te reste à faire. Et je vais terminer cette vidéo avec quelque chose qu'il va falloir que tu retiennes par-dessus tout. Quoi qu'il arrive, toutes les personnes commencent quelque part. Que tu sois le plus bas possible, au milieu ou en avance par rapport à ton objectif, ça revient au même, tu auras toujours des obstacles devant toi. Tu réaliseras même peut-être des échecs. Mais sache que toutes les personnes qui ont déjà réussi dans leur vie, que ce soit Elon Musk, que ce soit Bill Gates, que ce soit Jeff Bezos ou même Avicii, oui j'adore Avicii, c'est pour ça que je le place là, toutes ces personnes sont passées par des problèmes, même des échecs, mais elles n'ont jamais lâché leur rêve et c'est ce qu'il faut que tu fasses, tu ne dois pas lâcher. Ils ont suivi leur objectif jusqu'au bout, à leur rythme, mais sans jamais rien lâcher, et ils sont là à l'heure actuelle parce qu'ils le méritent. Enfin, sauf Avicii, le pauvre, paix à son âme. Je l'aimais beaucoup Avicii, vraiment. Quel que soit ton objectif, sans travail, tu n'y arriveras jamais. Toutes les personnes que tu vois et qui disent qu'ils ont réussi sans travailler, c'est tout simplement des vendeurs de rêves. Toi, ton objectif, tu vas le réussir parce que tu vas travailler pour. J'espère que tu auras aimé cette petite vidéo qui change un petit peu des vidéos que je fais d'habitude. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, crois en tes rêves. Tchoubidoubidou.